Arrestation arbitraire pour des fins pécuniaires, assassinats, meurtres, pillages des biens, viols sur les femmes. La société civile de Butembo dit en avoir assez du dérapage enregistré depuis 6 mois de la part de certains éléments des forces de sécurité basées dans la partie nord de la ville de Butembo. Dans une déclaration à la presse ce mercredi, la coordination des forces vives de Butembo estime que ces éléments ont déjà montré leurs limites dans la collaboration avec la population et par conséquent doivent être relevés. On l'écoute dans l'extrait de la déclaration lue par révérend pasteur Maté Sahané, président de la société civile de Butembo. La situation va de mal à pis. Il sied de signaler que cette situation vient d'occasionner des déplacements massifs de populations qui abandonnent leurs maisons dans certaines cellules comme Mungo, Kavingu, Kitangirwa, Vulindi, Rwamiso, Vunyenze, Mihake, vers le milieu supposé sécurisé avec toutes les conséquences possibles. Pourtant, c'est depuis 4 mois que la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo a initié les actions du plaidoyer en vue de rencontrer les autorités habilitées pouvant apporter solution au problème. Rappelons que nous avons échangé avec le commandant des FARDC des opérations Sokola 1 à Beni, les députés nationaux à Kinshasa, le ministre national de l'Industrie, les officiers militaires et policiers locaux à maintes reprises et plusieurs fois le maire policier de la ville de Butembo qui n'ont jamais apporté solution aux innombrables violations des droits humains sur-cités. Tout en s'inquiétant de cette situation, la coordination urbaine de la société civile de Butembo trouve urgent, nécessaire et réitère les recommandations ci-après. 1. Au maire de la ville en tant que président du conseil urbain de sécurité. Plaider pour le relèvement des unités à place, car ils ont prouvé l'incapacité de cohabiter pacifiquement avec la population. Se pencher sur la question sécuritaire à commune Volamba et Boulengera avec une extrême urgence.